Bonjour à tous, c'est Bechtasan, bienvenue pour une nouvelle VOD. Aujourd'hui, on va se regarder l'SBR numéro 68 en éveil miraculeux. Je dirais un des SBR les plus faciles que j'ai pu voir. Donc, je vais vous proposer une team très légère, très différente de ce qu'on va vous proposer en général. Donc, on va pas partir avec Miga TAJ, hein, vous me connaissez. DBS, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, on va partir sur du DBZ. On aura quand même Broly DBS dans la team. On va voir ça après. Vous inquiétez pas. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour suivre les prochaines VOD et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Ça me fait toujours ultra plaisir. Pensez aussi, n'hésitez pas à commenter avec quoi vous êtes parti comme team. Ça fera aussi plaisir de voir un petit peu les variations, enfin un petit peu tout ce que vous avez pu prendre en diversité. Voilà. Ben on va regarder la team puis on est parti. Donc voilà, nous on est parti comme ça, donc en puissance maximale, évidemment, c'est toujours l'éveil miraculeux, tous ces personnages-là vont partir de l'éveil miraculeux, donc Broly DBS évidemment qui augmente attaque et def pendant un tour, nous avons le Gohan AJ qui va stacker la def sur l'aspect et l'ultime, nous avons le Goku Namek qui stack la def sur l'aspect et stack l'attaque sur l'ultime, nous avons le Goku Kak qui augmente attaque et def pendant un tour, nous avons Cell qui va stacker la def sur l'aspect. Non, qui va augmenter la def sur l'aspect et une augmentation d'attaque sur l'ultime, et le Gonelier qui augmente attaque et def pendant un tour. Voilà, nous on est parti comme ça. Bon, vous allez voir, hein, très simple, hein, de toute façon il y a deux phases qu'on va one turn, hein, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec la run, j'espère que ça vous plaira. Pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu et tout. Bon visionnage, je vous dis à très bientôt, ciao ciao! Ok, alors, on va pas se faire chier comme d'hab, petite souris, petit chameau. De toute façon, en fait, les SBR, si vous tapez des items correctement, enfin sans vous prendre la tête, directement, vous allez pas trop vous faire chier. Hein. Si vous cherchez à faire les pinces, là, vous allez galérer automatiquement. Ah, il y a qu'un seul adversaire, incroyable, quoi. Je crois que c'est une première pour un SBR d'avoir un adversaire en premier combat. Yo Mister Cyberion, comment tu vas? La pêche? Ok, bon, non, on devrait avoir. De toute façon, là, on a deux tours tranquilles. En plus, c'est bien, on va pouvoir mettre en place les rotations, comme ça on va passer directement l'autre Broly DBS dans l'autre tas, comme ça on sera tranquille. Et bah, moi aussi, ça va très très bien. Très bien dormi. Le petit café du réveil, le petit live. Bon, le petit live qui va sans doute pas durer longtemps, je pense qu'on fera autre chose derrière. Encore un petit peu de. Enfin, j'ai un trophée justement à terminer sur Rendant qui a bugué, donc voilà, j'ai ça à faire, puis un boss à faire, donc je pense qu'après on va peut-être se faire du Rendant. On the Ashes. Bon, premier combat, finger in the nose, les doigts dans le nez, un tour, on a fait un tour, on a fait un tour. Rapide et efficace, pas cher. Ok, bon, tac 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 tac. Qu'à faire ça, c'est du SBR classique. Hein. Bon, même de toute façon, que ça soit du classique ou du de l'extrême, hein, si tu utilises des items adéquats, voilà. Tu vois, là on a deux tours pour les fumer. Prochain tour, en plus, on aura le petit Broly DBS. Hop là, il roule ma poule. Emballer, c'est peser quoi. Bon, là on va faire deux tours hein, automatiquement. On aura un petit Broly DBS. Il y a possiblement une chance qu'on aura peut-être fait le tour aussi. Juste un tour, mais bon, on l'a vu la route. Ça devrait être pas trop trop compliqué quoi. En plus, on a quand même que du gros perso. Hein. On va dire peut-être la faiblesse de lance, c'est peut-être le Gohan CJ2 l'AirTech. Peut-être qu'il y aura moins de def. Donc on va dire que c'est sans doute celui-là qu'il faut se méfier le plus. Après il est 100%, donc ouais, je l'ai pris pour les dégâts. J'aurais pu mettre Gohan LR Int, mais bon, je l'ai pas 100% et je me suis dit, bon, même s'il a son plus meilleure défense après SP, voilà quoi. Celui-là, c'était l'occasion de me sortir un petit peu. Malheureusement, c'est les persos qui arrachent pas mal en termes de dégâts, mais en termes de def. Ah voilà quoi. Très bien, petite SP sub des familles, celle contre celle.
Enfin, lui, putain, c'est vraiment une formalité, quoi. La team me link très bien en puissance maximale, là, parce que de toute façon, c'est éveil miraculeux, donc j'ai pris éveil miraculeux et puissance maximale. Évidemment, je me suis dit, ah bah tiens, je peux faire un team qui déjà va pas être du DBS, donc ça c'est cool. Et que sans doute personne ne va avoir choisi, parce que tout le monde va avoir pris Migaté et compagnie. Donc je me suis dit, bon bah voilà, on va vous proposer une chose de différente, comme d'habitude. Et qui va faire bah, totalement le taf. Hein. Après, si vous n'avez pas Gohan LR Tech, par exemple, vous pouvez mettre le Gohan LR Intelligence, hein, y a toujours de quoi varier, quoi. Il nous fait de la rébellion, lui, le petit sel, tiens. Il nous fait de la rébellion. Ok. Alors, on va commencer. On est full PV, donc on va juste Whis. Quoique avec le T2, je suis pas trop en confiance, en toute honnêteté. On va utiliser un C8 pour la sécurité. C'est j'avoue Gohan LR Tech, voilà, j'ai pas spécialement confiance. Quand tu vois le nombre de PV, c'est un petit peu effrayant. J'aurais bien voulu partir en SP ultime. Et ouais, bon, je pensais pas, j'aurais pu changer ici. Et ça, hop, on va mettre sur le vieux ragondin. Là. Hop là. Allez, on est parti. Parce que le Gohan et l'AirTech, j'ai pas spécialement confiance avec si peu de def. Donc vaut mieux bouffer de l'item pour rien. Putain, on lui a déjà mis autant dans la gueule. Ok, d'accord. Je pensais pas lui remplir autant que ça, même le Jiren d'entrée. Hein. Si on n'a pas d'avantage, il est tech, quoi. Ah bah, Broly, encore une, ouais, parce que là, sinon, on finit le taf, quoi. Ah, dommage. Là, il nous recalait une spé sup, là. On n'en parlait plus, quoi. Non, mais incroyable. Je crois que c'est le SBR le plus facile que j'ai pu faire. On a itamé tous, certes, mais quand même, faut pas déconner, quoi. J'avoue, assez pitoyable. Là, le Jiren, il est pitoyable. Hein. Parce qu'en général, les boss comme ça, ils sont quand même assez résistants. Hein. En plus, on est à contre-type. Hein. On est quand même à contre-type. On lui a foutu un carnage avec le Gohan et tout. Donc, c'est assez incroyable quand même. Eh, hey, salabala! Oh, bah, dis, quelle complication! Oh my god! J'ai jamais fait un SBR aussi compliqué que ça, quoi. Bon, bah, hein, vraiment, celui-là, c'était The Full Promenade de Santé. Bon, on avait du gros perso, certes. Mais abusé quoi. Bon voilà pour cette petite VOD, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo de SBR, truc comme ça. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, des bijoux, ciao tout le monde.